Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, le premier touriste de l'espace a bien quitté sans encombre la base de Baïkonour. Les tractations des dernières heures qui opposaient les agences américaines et russes sont finalement abouties. Et c'est la tête dans les étoiles que Denis Tito, le milliardaire qui s'est offert le rêve de sa vie, goûte ses premiers moments dans l'espace. Commentaire, Benoît Thévenet. Mission touristique pour la capsule Soyouz qui a décollé ce matin. À l'intérieur, deux cosmonautes russes et un touriste américain. Malgré ses 60 ans, Denis Tito n'aura pas bénéficié d'une réduction carte vermeille. Son billet aller-retour pour l'espace a coûté 20 millions de dollars. Pas grand-chose, à vrai dire, pour ce millionnaire américain qui rêvait de ce voyage depuis l'enfance. Pour les Russes, au contraire, cet argent tombe à point nommé. Les temps sont difficiles. La chose la plus importante pour les gens ici, c'est d'être payé. C'est pour cela que nous sommes prêts à envoyer n'importe qui dans l'espace. Peu importe que ce soit un Américain ou un Africain, tant qu'il paye. Ce qui a bien failli faire capoter le voyage de Denis Tito, c'est plutôt l'opposition de la NASA qui voit d'un mauvais œil l'utilisation touristique de la station internationale. La navette Endeavour est actuellement sur place. Son retour sur Terre a été retardé pour des problèmes informatiques, explique la NASA. Et pas question que le Soyouz essaye de s'arrimer à proximité de la navette américaine. Le risque d'accrochage serait trop important. Finalement, un accord a été trouvé. Denis Tito est bien parti. Et si lundi, la navette américaine est toujours sur place, les Russes se sont engagés à attendre quelques heures à bonne distance. Pour Denis, il risque d'y avoir un peu de retard à l'arrimage.